Ce vendredi 1er octobre, Sylvie Vartan va sortir son 50e album, baptisé « Merci pour le regard », dans lequel elle retrace sa vie amoureuse. Et comment ne pas évoquer Johnny Hallyday? La chanteuse lui a même dédié un titre, « On s'aimait encore mais autrement ». À l'occasion de la sortie de ce nouvel album, l'artiste a donné une interview confession à Paris Match. Elle y évoque notamment des moments très intimes de son couple avec le taulier. Alors qu'elle est au top de son succès dans les années 60, Sylvie Vartan doit lever le pied pour une simple et bonne raison, elle est enceinte. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, je n'aille plus chanter en public. Je me suis mise au vert avec ma mère, mon père et ma grand-mère. Tranquillement, à Loconville, à guetter le moindre mouvement du bébé. Malheureusement, Johnny ne sera pas là pour l'accompagner, il faisait son métier. Pire, l'entourage professionnel des deux chanteurs craignait que cet enfant ne vienne détruire leur carrière. Comment un rocker pouvait-il avoir un enfant? C'était impensable. J'ai tenu bon et dans une existence idéale, j'aurais eu au moins 4 enfants. J'aurais aimé avoir un deuxième enfant avec lui. Sylvie Vartan et Johnny Hallyday ont bien failli avoir un autre enfant. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, j'aurais aimé avoir un deuxième enfant avec lui. La vie en a décidé autrement. Je ne sais pas si ça aurait changé la fin de notre histoire. La vie a fait que l'on est quand même resté 20 ans ensemble, de 1961 à 1981, rappelle la chanteuse, qui est aussi revenue sur un événement plus récent, l'hommage organisé par Laetitia Hallyday. J'ai vu des photos, ce n'est pas une statue, si est-ce. Une moto, on ne sait même pas si est-ce la sienne. On ne peut pas dire que ce soit beau. Moi je veux me souvenir de lui dans sa force, confie la chanteuse dans une interview pour Le Parisien. Quant à l'esplanade inaugurée au nom de Johnny Hallyday, son avis est aussi tranché, faire vivre sa mémoire, créer un lieu pour ses fans, si est-il très bien. Si ce n'est pas mercantile, si est-il bien mais ce n'est pas fait avec une élégance notoire.